Salut tout le monde! Je vais faire aujourd'hui le tag des soins des cheveux lancé par Cyrilina. Alors je l'ai déjà prévenu, j'ai beaucoup moins de produits pour cheveux qu'elle. Je ne fais peut-être pas assez attention à mes cheveux. Alors, depuis que j'ai trouvé ces petites pastilles, enfin pas des pastilles, ces petits galets chez Lush, je m'en sers très souvent. Et ça bouge pas, ça c'est génial. Donc je me lave les cheveux avec ceci. Par contre, je le fais une fois sur deux seulement parce que je me suis rendu compte que je rattrapais des pellicules. Alors je sais pas si c'est lié au fait que ce soit le galet ou est-ce que je les rince pas assez bien. Enfin, il me semble que je les rince quand même pas mal. Donc je fais une fois sur deux ça. Et donc une autre fois sur deux, je prends mon Head & Shoulders, ça fait des années que je me sers de ce shampoing là. Et j'en suis assez contente, donc une fois sur deux Lush et une fois sur deux celui-là. Donc voilà, quand j'utilise le Lush, donc le shampoing solide, ça assèche pas mal les cheveux. Parce qu'ils sont, vraiment nettoyés vraiment en profondeur, on le sent quand on passe sa main, ça crisse, j'ai jamais eu cette sensation là. Donc je me suis acheté un après-shampoing pour utiliser après le Lush et j'ai pris le Cios. Donc Cyrilina en a tellement bien parlé que je me suis dit je vais tester. J'ai pas encore ouvert, je l'ai acheté aujourd'hui, là je rentre des courses. L'odeur est super agréable, sans les fruits, c'est très agréable, donc je vais tester ça et on verra ce que ça va donner. Sinon, quand je me lisse les cheveux, ce qui arrive très souvent, donc là ils sont pas lissés aujourd'hui, j'ai juste fait un chignon à la va-vite, mais quand je me lisse les cheveux, je mets toujours ce produit-ci, donc de chez Redken. C'est un soin lissant protecteur pour les cheveux, pour lisser les cheveux. Ça fait des années que je l'ai, enfin des années, non j'exagère, ça fait bien un an que je l'ai et j'en suis à la moitié. Je l'avais acheté assez cher, c'était chez mon coiffeur, je l'avais acheté 24 euros je crois. Oui voilà, 24-25, il y a encore des étiquettes dessus, 24,25 €. Super investissement parce que j'en ai utilisé la moitié. Donc c'est un petit flacon pompe, j'en mets 3 voire 4 petits beaucoup de flacons et je mouille bien avec mes mains. Enfin non, je mouille pas, je frotte bien avec mes mains, c'est un genre d'huile et alors je les répartis partout. Donc ça je m'en sers à chaque fois. Alors quand je ne me lisse pas les cheveux et que je fais un peu n'importe quoi avec mes cheveux, surtout quand je fais cette coiffure là en fait, hein, parce qu'il faut que ça tienne un petit peu, je mets la laque et c'est la seule fois que j'en mets, c'est seulement avec cette coiffure là. Et la laque je prends la Garnier Fructis Thai, je prends l'Extra Strong, je suis sûre que ça tient bien, voilà. Et voilà. Donc c'est la seule fois que j'utilise la laque, sinon j'en utilise jamais. Quand j'ai les cheveux lissés, je ne les laque pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme produit pour cheveux, j'ai pas grand chose. J'ai un masque aussi, mais je l'utilise pratiquement jamais, je crois même que mon avis ne doit plus être bon. Je pourrais le jeter. Donc il va peut-être falloir que maintenant je fasse un peu attention à mes cheveux, maintenant que je fais attention à ma peau, passer à l'étape des cheveux. Ça va, ils sont pas encore en trop mauvais état. Donc voilà, donc c'était le tag des soins des cheveux lancé par Cyrilina. Donc si ça vous tente, faites-le, comme ça on voit un peu où tout le monde en est. Voilà, je vous fais à tous et à tous des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.